Les couleurs de l'air est une fiction très librement inspirée de ce qui m'est arrivé à la mort de mon père. Cela va raconter l'histoire d'un réalisateur qui s'appelle Ilia, qui, 3 ans après le décès de son père, se lance dans la réalisation d'un long métrage à Moscou sur la vie de son père et sur ce que celui-ci lui a laissé comme héritage. Ce père, dont il sera question, est artiste peintre et marchand d'art reconnu dans le monde entier. C'est une sorte de personnage hors norme qui a traversé tout le XXe siècle en ayant 1000 vies, une sorte de mondain démesuré, qui laissera à sa mort un héritage des plus mystérieux, puisque toute sa famille, sa femme et ses enfants vont se retrouver face à des créanciers réclamant des sommes astronomiques et des dizaines de toiles de maître, c'est-à-dire des toiles de Picasso, Modigliani, Chagall, Monet, soi-disant enfermées dans des coffres en Suisse. Ce qu'on apprendra au fur et à mesure du récit, c'est que peut-être ces toiles et ces coffres n'ont jamais existé. Hanté par ces angoisses de père et ces fantômes, Ilia, au fur et à mesure du tournage, perdra le contrôle de ce qu'il souhaitait raconter. Voilà, alors au-delà du fait que cela va certainement parler de ce qu'est la famille, l'héritage, de ce qu'est le mensonge, le trouble du mensonge à l'intérieur d'une famille, je crois que le projet parlera surtout de ce que peut être l'émancipation. Puisque, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que le sujet n'était peut-être pas la mort du père, mais plutôt la mort du fils que j'ai été, qu'il y a été, et que je ne suis plus. Voilà.